Alors, je suis Bernard Collas, je suis professeur de sciences de gestion à l'Université Paris-Dauphine. J'ai écrit beaucoup d'articles, beaucoup d'ouvrages dans ma spécialité, mais Ce que nous sommes est mon premier roman. C'est une histoire familiale, c'est une saga familiale, l'histoire des Tessiers, racontée par l'un des siens. Cette histoire se situe entre deux événements, le recrutement en 1926 comme fille de ferme d'une gosse de 12 ans, la petite Louise, et la nomination en 1985 de son fils, Guillaume, comme professeur des universités. En même temps qu'il raconte l'histoire de sa famille, Guillaume raconte sa propre histoire. Donc c'est une histoire à la fois familiale et intime qui est mêlée à la grande histoire, à l'histoire avec un grand H, et en particulier à l'histoire des Trente Glorieuses. Oh, je ne récuse pas le qualificatif, il y a effectivement une assez forte dimension sociale dans ce roman, d'ailleurs reconnue dans la revue Philosophie Magazine. J'y parle des pauvres, les Tessiers sont des pauvres, et aussi des inégalités sociales qui existent dans nos sociétés dites modernes. Ce que je raconte, c'est aussi l'histoire d'une ascension sociale un peu hors norme, celle de ce qu'on appelle un transclasse, d'un individu qui fait un saut de classe important au cours de sa vie. Fils d'ouvrier agricole, Guillaume Tessier devient professeur des universités. Ce parcours est en quelque sorte une exception à la loi, à la loi, on peut parler de loi, de la reproduction sociale ou de la non-reproduction sociale, étudiée notamment par Pierre Bourdieu. C'est un parcours un peu exceptionnel qui tient à la fois aux circonstances et à la chance. Je n'ai pas choisi ce titre. Ce titre a été choisi par mon éditeur. Mais je le trouve excellent. CEX, pronom démonstratif, désigne à la fois les personnes qui influencent votre vie, les institutions, l'école, l'église qui la forme, et puis aussi les lieux. Ce n'est pas la même chose d'avoir vécu à la campagne que d'avoir vécu en milieu urbain, son enfance, et aussi l'époque. Et l'époque qui est décrite dans ce livre, c'est celle des Trente Glorieuses, une époque pleine d'opportunités. Ce titre est donc plein de sens et confère avec le « nous », je dirais, une certaine généralité au propos du narrateur. Ce que je souhaiterais idéalement, c'est que le lecteur, en le lisant, eh bien, s'interroge sur lui-même et identifie ce CEX qui l'ont construit, qui l'ont fait un être singulier. Now, go.